Le départ sera donné dans une dizaine de minutes, donc nous allons en profiter avec Jean-Paul Olivier sur la moto arrière. Oui. Jean-Paul, vous êtes dans le peloton? Ben, je suis dans le peloton, effectivement, juste à l'arrière, mais il reste quelques hommes derrière moi, et je vais m'approcher de Laurent Madouas. Alors Laurent, quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce tour? La formation Lotto n'a pas été particulièrement brillante, n'a pas répondu à toutes les attentes, et puis vous aussi? On a eu beaucoup de malchance, donc on a perdu Tétariouk sur tendinite, on a eu le problème d'Abdou, Benoît Salmon qui a eu une mise en course, je trouve un petit peu injuste parce qu'il s'est accroché simplement que 30 mètres. Et moi, bon, c'est sûr, j'ai eu une journée sans et j'ai perdu un petit peu mes ambitions de figurer dans les 10 premiers. Mais bon, j'ai passé souvent à l'attaque, j'ai essayé de faire quelque chose, mais bon, c'est comme ça, il y a des années comme ça. Ouais, vous nous avez un peu déçu quand même, on attendait mieux. Hein. Ouais, moi je croyais beaucoup mieux de moi, j'avais beaucoup d'ambition au départ. Et c'est sûr, j'étais déçu. Ouais. Alors continuez Jean-Paul, revue d'effectifs. On a le droit, hein, on ne transgresse pas le règlement, c'est parce que le départ réel ne sera donné qu'à, je regarde mon petit papier, 13h45. Donc ça nous laisse du temps là pour nous promener dans le peloton et trouver quelques coureurs. Jean-Paul, c'est à vous. Alors Pascal Hervé, il veut manger le micro là. Hein. Alors Pascal, que ressent-on dans une dernière étape? Vous êtes vraiment fatigué ou on pourrait encore continuer un peu? Moi, je suis un endurant. Je pense que le jour où le Tour de France il va faire deux mois, je serai pas loin de la première place. Ouais, il est content de rentrer. Content de rentrer. Mais c'est quand même extraordinaire, cette équipe Festina qui a fait le spectacle. Hein. On a fait le spectacle, mais on n'a pas gagné. Non, mais enfin, tout de même. Un peu comme une équipe de foot qui domine toute la partie et puis qui se fait battre à la fin dans les arrêts de jeu. Oui, mais enfin, vous avez été là présent du début à la fin. C'est beau, tout de même. C'est beau pour le Tour de France. Je pense que pour le Tour de France et les millions de gens qui suivent, c'est beau ce qu'on a fait. Mais nous, on va rentrer avec une petite pointe d'amertume parce qu'on était venu pour gagner, puis on va s'en aller qu'avec la deuxième place. Mais vous avez, où trouvez-vous toute cette force? Moi, je vous ai vu de temps en temps lâcher dans l'école, vous reveniez, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Où trouvez-vous toute cette force? Vous savez, quand vous avez un coureur comme Richard Virenque qui est tellement généreux dans l'effort, on n'a pas le droit de l'abandonner. Donc, je pense qu'on a puisé nos forces au plus profond de nous-mêmes. Et c'était le fait d'avoir Richard comme dynamiteur. Je pense qu'on a un coureur comme ça dans son équipe, on ne peut pas faire autre chose que de tout donner. Merci Pascal. Et merci encore. Jean-Paul, on continue cette revue d'effectifs. Alors que là, vous voyez que Jean-Marie Leblanc, donc bien accompagné, est en train d'organiser le départ fictif, bien, avec M. Pélisson, là. Ce sera le départ fictif, Jean-Paul. Oui, je suis avec Didier Rousse. Ah Didier, quelle belle étape vous nous avez donnée, là. Disons que j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et puis bon, mais ça a payé pour une fois et je suis vraiment super content. Quoi. Ah, là, au moins là maintenant on me reconnaît, on arrive à mettre un prénom sur mon nom et à me donner un nom. Quoi, voilà. Ah, on a l'impression que vous désespériez un peu parce qu'avec tous les pépins, toutes les blessures que vous avez eues. Disons que ça s'acharne un petit peu, mais bon, de toute façon la roue tourne et puis un jour ou l'autre il fallait bien que j'ai un petit peu de réussite quoi, avec toute la malchance que j'avais eue, mais ça fait plaisir. Quoi. Merci. Cédric. On avance encore un peu, allez, vas-y. Priorité à Jean-Paul qui est au cœur du peloton là. Voilà, on avance encore un petit peu, voilà. Cédric Vasseur. Alors Cédric, comment terminez-vous ce tour? Ah bah ça va, on termine dans un bon état de fraîcheur physique. Je crois que terminer à Disneyland, c'est bon pour. Déjà terminer un tour, c'est bon pour le moral, mais le terminer ici à Disney, c'est. Qui nous regarde c'est un peu Cédric, c'est féerique. Ouais, alors tiens, regardez un petit peu la caméra de notre ami Testarossa, voilà. C'est parfait. Le sourire à Testa, le sourire à Fabrice Roche. Bon. Voilà, non, je crois que c'est bien. Le temps est de la partie, il fait beau, tout se passe bien et je crois qu'on va s'attendre à une belle course sur les champs. On va finir ça en beauté. Et pour l'équipe GAN, on va essayer d'être brillant et d'amener Frédéric dans les meilleures dispositions. Est-ce que vous avez conscience que vous avez été maillot jaune du Tour de France? C'est vrai, sur le coup, j'ai pas trop réalisé, mais ces quelques derniers jours, j'ai vraiment pris conscience. Et là, quand je vois le nombre de personnes qui me reconnaissent sur le bord de la route, le nombre de gens qui me demandent un autographe, disons que ça me fait chaud au cœur et je réalise vraiment maintenant. Quoi. On prépare une fête à Stenvoort pour vous? On prépare une fête la semaine prochaine et il y a beaucoup de gens qui y seront invités. Et j'espère que ça sera bien. Merci, c'est vrai. Regardez la tête du peloton maintenant avec ce peloton qui a passé deux nuits à Disneyland avec un Yann Ulrich, les leaders de ce Tour de France. Et c'est parti, le départ officieux avec Zabel qui se signe, avec Ulrich qui se signe également. Et
Il y aura maintenant un défilé. Alors que les rails ont été comblés, vous avez vu les rails qui servent dans Main Street là, pour le petit train, ont été comblés pour que les coureurs ne chutent pas, ce qui est une belle attention, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de course dans Main Street, mais que pour que les coureurs cyclistes soient dans les meilleures conditions, on a comblé ces rails, c'est bien. On a vu d'ailleurs tout au long de ce Tour de France de nombreuses municipalités et l'équipement faire beaucoup de choses pour que ce qui est bon pour les voitures et qui n'est pas toujours pour les cyclistes, eh bien, soit mis au goût du jour pour le Tour. Et c'est vrai que notamment au niveau des ronds-points, des aménagements de ronds-points, on a vu un gros travail fait qui dénote tout le respect pour le Tour de France et pour les coureurs. Alors Jean-Paul, ben c'est quand vous voulez, on continue. Hein. Eh ben on va continuer. On va continuer tout doucement. C'est parti du côté un peu particulier de cette dernière étape, hein, qui est généralement une fête pendant quelques minutes, avant de devenir une course très spectaculaire sur les champs. Voilà. Et ça vous donne l'occasion de connaître un peu mieux tous ces coureurs. Vous avez vu combien Rousse, combien Vasseur avaient apprécié d'avoir acquis une notoriété supplémentaire, d'être reconnu. C'est vrai que pour un coureur, c'est important. C'est une belle récompense. C'est sûr que pour un coureur, le fait d'avoir porté le maillot jaune le rend, comment dire, on ne peut même pas dire immortel, mais ce n'est plus tout à fait un coureur comme un autre. Ulrich Isabel. On a eu l'occasion de rencontrer Jan Ulrich hier soir, après qu'il eut dîné. Et on est vraiment frappé parce qu'il est tellement impressionnant sur son vélo. Lorsqu'on discute avec lui, on a eu l'occasion de le rencontrer quelques minutes. C'est un enfant. C'est vraiment, il a 23 ans, il a encore un regard d'adolescent. Il a une véritable fraîcheur. Et c'est vrai que j'espère qu'il va garder toute cette fraîcheur. Je pense qu'ainsi, il va prendre une belle place dans le cœur du public. Jean-Paul. Laurent Brochard est à nos côtés. Ah. Laurent Brochard, qui a l'air très frais d'ailleurs. Hein, peut-être pas tout à fait aussi frais qu'à Loudenvielle. Ah, je l'espère toujours. Bon, c'est vrai que toute l'équipe finit très très fort et en excellente condition, au complet. Donc pour nous, c'est une très bonne fin de tour. Alors ce soir, c'est la fête, c'est la détente. Ouais, c'est sûr que ce soir, on sera très très content de fêter tous ces exploits qu'on a réalisés et cette magnifique ambiance qu'il y a au sein de l'équipe. Alors l'après-tour, c'est quelques critériums, c'est ouais, bah, c'est Calac d'abord. Quelques critériums, c'est vrai, pour décompresser aussi un petit peu. Voilà. Merci Laurent, on va poursuivre un petit peu notre petit tour dans le peloton. Allez, un Italien ou un Espagnol, ah, on va un faire. Venez quoi, Eros. Eros Poli, ah, il parle français, Eros, mais ça fait rien. Il faut pas être que français. Hein. On parle que français. Alors, comment ça va, Eros, alors? Oh, très bien, belle journée de soleil, bonne journée pour finir. Hier soir, je vous ai vu à la télévision chez nous jouer le cow-boy. Oui, m'a dit, c'est bien passé. Bon, c'était un show sympa. Bon. On peut dire que j'ai laissé quelque chose de sympa à les Français. Ouais. Alors, beaucoup de succès avec les filles, etc. Côté féminin, vous avez beaucoup de suffrages. Il était avec son épouse et avec son enfant. Non, beaucoup de suffrages, c'est normal. Le public français en général, bon. Ah. Je pense que j'ai démontré au public français d'avoir bien fait mon travail, surtout mon travail. Et surtout, je pense la disponibilité aussi avec le public. Oui, alors, vous étiez souvent le chef du groupetto. Hein, oui, je crois que vous étiez apprécié pour vos puissants et longs relais. Hein, oui, bon, c'est vrai, c'est déjà longtemps, et bon, les dernières deux années... La télécaméra se trouve là. Hein. C'est déjà deux années que je m'occupe de Gruppetto, donc cette année aussi, je peux dire que j'ai ramené beaucoup de coureurs jusqu'à Paris. Donc cette année, surtout, c'était très très difficile aussi pour moi, parce que j'ai passé des mauvais moments. Mais bon, on se compte tout le monde content, tous les coureurs... Très content d'être ici à dernier jour, donc un souci c'est plus. Ouais, dans le groupe Eto, on devait vous dire attention Eros, pas trop vite, non? Non, moi je suis jamais trop vite, je suis toujours le premier à l'assister dans la montagne. Donc après je reviens sur le groupe Eto et là je passe en tête et non, moi j'ai fait comme on dit la look et tout le monde pour faire. L'andatura, comment dire. L'andatura, oui. Alors vous aviez votre famille hier soir avec vous déjà? Oui, c'est déjà deux jours qu'elle est avec moi, ma fille, ma femme et aussi les chiens. Oh, formidable.